Oh, salut tout le monde, alors je suis déjà en train de pleurer, ça fait 10 minutes qu'on est là avec Raphaël, avec les copains, ça fait 10 minutes qu'on est là dans la manif, on est à côté de la CFDT, dans le cortège en fait, et tout le monde s'est pris les lacrymos parce que je sais pas ce qui s'est passé devant, on n'a même pas réussi à les voir, et là, nous qui voulions aller voir, être plus près de la Bravem, on y est, ils sont juste là en fait, juste là devant, je vais vous montrer, je sais pas si on verra, donc on fait ce qu'on peut parce qu'il y a 3 vélos qui ont cramé là-bas, ils ont canardé dans tous les sens. Mais en fait, tout le cortège pacifique se retrouve à manger du lacrymo au même titre que n'importe qui. C'est ça le truc. Alors, on les a vus passer là-bas. Vous voyez avec les casques là-bas au fond? Je vais essayer de zoomer. Voilà. Ils sont de l'autre côté. Je sais pas si on peut faire le tour. Regarde, on les voit là derrière le camion. Il faudrait faire le tour du camion. Je remets mon FFP2. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est incompréhensible ce qu'ils font. Cassez-vous! C'est incompréhensible. Donc là, vous avez un détachement de la Brave. Pendant ce temps-là, il y avait des, je crois que c'était des gendarmes mobiles qui étaient là-bas quand ils tiraient les premiers lacrymos. Il y a des autres là. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Ah si, il y a les pompiers. Il y a les pompiers qui interviennent parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Mais en fait, si quelqu'un a fait un malaise, c'est parce qu'il fout du lacrymo. Moi, j'ai vu sur le chemin, là, en espèce de 10 minutes. 3 personnes qui ont fait des malaises qui n'étaient pas du tout dans le cortège de tête, des manifestants avec la CFDT. Je sais pas si vous voyez, mais là on est dans le cortège de la CFDT quoi. Voilà, c'est pour vous montrer où on en est. Et donc c'est la punition collective comme d'habitude. Bon, évidemment le mobilier urbain était un peu... Ah, t'es là Antoine Léaumont. Oui. Bah oui, je suis direct. Un deuxième masque. Oui, donne un masque à Antoine Léaumont. Voilà, c'est Antoine Léaumont. Un masque. Au plus près de l'action. Voilà, donc au moins on est. On avait promis. Alors qui évacuent quelqu'un qui est probablement victime des lacrymos qu'eux ont lancé quoi. Voilà, les manifestants vont calmer les types qui lancent des pavés. Voilà. Ils ont balancé une grenade de désencerclement. Je pense que c'était un désencerclement, non? Alors on va peut-être essayer de ne pas se mettre. Et ben voilà, on est à l'immersion avec la Brave. Donc, je te rappelle, casque blanc, c'est ceux qui sont là, qui conduisent. Casque noir, c'est ceux qui sont derrière. Bon, quand ils sont... Oui. Casque blanc, c'est quoi? Quoi? Des matraques en métal. Oui, avec un tout petit bout et super dur en fait. Ouais, il y a un petit bout rond qui pour vraiment faire très mal. C'est pas juste le rond. Ouais, d'accord. Vous prenez des photos de la Brave? Ouais, on fait une immersion. Ouais, d'accord. Mais spontanée, citoyenne. D'accord, bah alors si jamais ça merde, je me colle à vous et c'est bon? Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'on n'a pas sorti les écharpes exprès? D'accord, ouais. Bah justement, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Là, il y a la Brave qui est là, parce qu'on observe la Brave, c'est ça quand même l'objectif. Et donc ils étaient là, il se passe rien, ils vont là-bas et ils coupent en travers de la manifestation alors qu'ils ont une réputation qui est bon d'être au contact. Donc forcément, vous voyez les huées des gens. À coup de temps en temps, il y en a qui balancent un pavé. Et c'est là, dans ces moments-là, où ils vont balancer grenade lacrymo au milieu d'un cortège de la CFDT de gens pacifiques. Et c'est dans ces moments de tension où on a des blessés, des gens qui se disent à moi, la prochaine manif, je reviens pas, qui créent une ambiance comme celle-là, quoi. Donc voilà, j'essaie de comprendre ce que fait la Brave, parce que couper comme ça, c'est une manière de cristalliser aussi là, contre eux, en fait. Et c'est cette méthode, en fait, de pas laisser, parce que tant qu'ils laissent le cortège passer, en fait, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a quelques-uns qui vont casser des vitrines, des machins, etc. Mais ça, s'ils veulent confondre les gens qui font ça, ils ont qu'à mettre des gens en civil, qui regardent, qui prennent des photos, des images, et a posteriori de la manif, qui essaient d'identifier ou qui sont à un autre travail, pas celui-là. C'est quoi l'objectif, selon vous? C'est les provocations. C'est les provocations. À la fin, les gens, en fait, le résultat politique, c'est que des tas de gens se disent
Moi, si c'est comme ça, prochaine manif, je reviens pas, parce qu'on se retrouve quand je suis arrivé, c'était un goulot d'étranglement. Il y a des gens qui faisaient des malaises parce qu'ils n'étaient pas venus là pour respirer du lacrymo, c'est pas agréable le lacrymo. Donc c'est ça, ça produit ça. Donc nous, aujourd'hui, on est venus là, non pas parce que Darmanin nous l'a proposé et que j'ai fait un joli poisson d'avril, mais aussi parce qu'ils nous ont repérés, ils n'avaient pas repéré jusqu'à présent qu'on était là. Là, ils ont vu qu'on était là avec Antoine Léaumont, alors Thomas Porte, on l'a perdu, il était prépa. Mais comme ils nous ont repérés, on sait que ça va mieux se passer. Et c'est aussi ça le message qu'on veut donner. Nous, en étant présents, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible pour les manifestants et qu'ils ne soient pas dissuadés de revenir la fois d'après. Là, vous allez continuer de les suivre ? Ouais, jusqu'à épuisement. Mais t'imagines, mets-toi à leur place deux secondes. La situation dans laquelle tu te trouves, tu t'es foutu là au milieu de la manif, voilà, lacrymo là-bas. Et à la fin, ça peut que dégénérer. Et même pour eux, c'est dangereux. Mais oui ! C'est ce que je me tire à dire depuis le début, arrêtez de faire des trucs pareils. Mais ils ont divisé quoi là ? Rien du tout. Ouais, mais... Par contre, on va faire d'éducation populaire parce que quand c'est gendarme, faut qu'il y ait gendarme, pas police quoi. Ça se voit, c'est marqué gendarme. Il y a des boucliers, il y a des casques qui sont différents, c'est pas la même couleur. Bah non, c'est les gendarmes mobiles ça, l'équivalent du CRS. Il y a les CRS, c'est police, et les gendarmes, c'est des militaires. Après, ils font le même métier là en l'occurrence. C'est le même commandement, c'est le même métier, c'est les mêmes prérogatives, c'est le même cadre d'emploi. Mais c'est pas les mêmes. On a perdu les moments là ? Alors juste derrière la. Attention, ça tarte, ça tire de partout là. Il est où ? Antoine ! Oh ouais, d'accord. Donc là, il y a la fin de cortège officiel là. Pas du cortège déclaré. Ça chahute un peu sur la place, donc du coup ils sont en train de encercler je sais pas quoi. Ça chahute pas, les flics ils chargent. Ça chahute pas. Enfin, non mais ce que je veux dire, mais quand j'ai dit ça chahute, je parle des policiers. Ah d'accord. Tu vois ? Ouais. Ils balancent du lacrymo alors qu'il n'y a rien, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc je continue mon explication. Il y a le cortège officiel qui arrive, c'est censé être le fin de parcours, donc voilà, là ils interviennent, on sait pas pourquoi. La manifestation elle est légale ou elle est autorisée ? Elle est autorisée, donc ça. Voilà, donc là, voilà, donc ça sert à rien. Ils viennent de balancer un lacrymo. Oui, c'est. Alors ils sont en train de. Voilà. Ça n'a pas de sens. Forcément, ceux qui ont envie d'en découdre, bah vous commencez à en découdre. Ils vont balancer d'autres lacrymo et les gens qui manifestent, donc le cortège qui est là. Ils se retrouvent là, plein de lacrymos, plein de... En vrai, c'est assez insupportable, ça crée des mouvements de foule. J'en ai vu un paquet quand même faire des malaises déjà tout à l'heure quand il y a des mouvements de compression au tout premier point de fixation. Je suis dans le boulevard Raspail. À la Rotonde. Juste avant Montparnasse. À Raspail. À Raspail, ouais. C'est le premier point, je pense que c'est le premier point de fixation. Et j'ai vu des gens comprimés, tombés comme des mouches, là, entre le lacrymo et puis le... Comment il va, le début de Twitch ? Ça va. Là-bas, ça charge. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un drapeau CFDT qui se fait charger, quoi. Pardon. T'as ton écharpe dans la poche, au cas où. Ça va. Si on va pas se faire taper là. Il y a les écharpes. C'est pas sûr. Vous pouvez interpeller le type en rouge. J'ai attiré au NBD là. Bouge pas les noirs. Tranquille, monsieur Phil. Je vais devant pour cacher. Alex,
Alex. Ils vont. Cassez-vous. Monsieur Belgar rouge. Ouais. Ah non, ils ont pris deux gars en rouge. Vous avez pris au pif, ça, c'est comme. Mais il a rien fait. C'est bon, il est inoffensif là. Attention les cailloux. Reculez. On peut pas reculer, il y a des gens derrière nous. Reculez. Vous allez me faire tomber. Non, on va pas passer. Reculez. Attention les canettes là. Mais ils ont, en fait, ils ont dit le gars en rouge. Ils ont dit le gars en rouge, ils ont attrapé deux gars en rouge. Ouais. Je pense qu'il y en a un que c'était pas le bon. Non, parce qu'ils ont dit bonnet rouge, ils ont pris celui avec. Ils ont interpellé, je les ai vus, ils ont dit il y a un gars en rouge. Et en fait, ils ont interpellé deux gars en rouge. Tiens, Thomas, tu veux. Ça fait partie de votre profession de respecter l'intégrité des gens. Mais oui, en fait, tout à l'heure, vous poussez et en fait, vous nous poussez là-dessus. Non, mais quand on était là une dizaine, vous nous avez poussé là-dessus. Donc, reculer quand on peut pas, c'est pas la peine, quoi. Mais alors, ça, c'est n'importe quoi de faire ça, par exemple. À quoi ça sert, là, le mouvement? À rien, parce qu'il y a un mec qui a acheté de la farine. Ah ouais? Vous pensez qu'on garde les écharpes? Non, on va la ranger. Merci. Non, venez pas vers nous. Ah, pas là. Pas là. Bravem, il y a le chef de la Brave qui est là. Eh, mais ça veut dire, donc ça veut dire que la Brave sont passés en mode CRS là. Ils se sont changés. T'as le chef Brave. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qui le mec qui est devant? C'est le commissaire Brave. Non, celui qui est devant. Un manifestant. Celui qui est devant. Il fait ça le chef, bravo. Mais c'est vraiment. Là, c'est le cortège de solidaires qui passe. Yann, ils en reçoivent un là. Oh, oh. S'écouter. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils font ça? Attention. Non, c'est bon, c'est une canette. On a lu, il y a un peu de galop. Ah ouais, mais attention là, les mecs. C'est pas qui a balancé un truc, mais c'est arrivé sur un manifestant. Il va lancer une grenade là. Oh, attention là. Oh là là. Regarde ce que j'ai tué tout à l'heure, ce que j'ai pris pas loin de moi. Ah, pas mal, pas mal. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Interpellation car. Ils ont chopé des gars. Un gars. Ils ont été chopés un gars. Mais c'était nul en plus. Ils l'ont gazé à bout portant là, le type. Il leur disait les logas à bout portant. Excusez-moi, est-ce que vous savez pourquoi ils ont des casques noirs? Je me souviens plus. C'est les gendarmes avec. Les gendarmes, c'est bleu, légèrement bleu comme voilà, ça. Et les casques noirs avec bandes. Sont derrière, c'est, on est d'accord, alors, c'est de la CI. Hein. Ouais, alors. Blanc avec le jaune, normalement, c'est les CRS. Ouais, exactement. Ou CI. Avec et bleu, c'est CI. Et par contre, les noirs, tout noirs. C'est pas la Braven, mais alors, c'est lui. Alors, je crois que c'est les gens de la Brave qui ont retiré leur casque de moto. Parce que nous, on les suit depuis tout à l'heure.
Et en fait, à un moment donné, il les a perdus. Et là, il y a bien le chef commissaire de la BRAV qui est là. Okay, on l'a repéré. D'accord, c'est de la BRAV, pas de la CI. C'est ça ma question en vrai. Je ne vais pas vous allonger. Mais en vrai, voilà, est-ce que c'est de la CI ou est-ce que c'est de la BRAV? En vrai, la BRAV est composée par gens de CI et de BAC. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas une unité en tant que telle. Voilà, c'est qu'ils font tourner les types et machin. Donc. Et en vrai, c'est vrai, c'est une doctrine quoi. Donc brutal, con. Là, ils reculent. Les gens sont volontairement. Clairement, oui. Partie, quoi. Oui. C'est un mec qui va tirer au LBD. Ah, ça charge. Alors, ça recharge. Oh là là. Courez pas. Bon, bah alors là, je sais. Alors voilà, depuis tout à l'heure, ils font ça. Ils courent dans le tas pour attraper on sait pas qui. Forcément, les gens, bah voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils font ça? Alors que s'ils restent en retrait, c'est calme. Bah, juste se faire niquer. Il a coulé dans ma poche. Regarde. Voilà. Bon, alors c'est en direct, donc du coup, c'est les aléas du direct, hein, Antoine. C'est que pendant qu'on fait un live, il peut y avoir une charge de nulle part que tu sais pas trop quoi. Bonjour. Et alors, quand on nous dit notamment bonjour. Le maintien de l'ordre public, c'est des nouvelles techniques de communication pour dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent sortir, où est-ce qu'ils peuvent s'en aller. S'il y a des sommations, t'as entendu une sommation, Antoine? Non, rien du tout. C'est vraiment, on a vu des gens courir, ce qui par ailleurs est assez dangereux parce que les gens, ça fait un mouvement de foule. Et il y a les barrières, ils se font mal eux-mêmes, les policiers. T'as un qui s'est fait mal sur les blocs en béton en faisant une marche arrière. Et c'est ça en fait, ça c'est un des trucs que nous on critique beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'annonce de ce qui est fait. Donc s'il n'y a pas d'annonce de ce qui est fait, ça provoque juste des mouvements de panique, de gens qui reculent, et ensuite ça provoque une augmentation des tensions, parce que bah, d'un coup il y a des CRS qui sont au milieu, et je pense, moi honnêtement, de la manière dont ça fonctionne là, c'est dangereux pour tout le monde. Ah, alors là, là-bas, regarde ça charge. Ah ça la brave, allez là-bas. Ils sont là-bas. On les cherchait depuis tout à l'heure, Antoine, viens, c'est là-bas. Faut qu'on aille de l'autre côté. Alors ouais, faut qu'on aille de l'autre côté. On va passer là comme ça. Hein? Et tu l'as sur le. Bah je connais une vidéo, je sais pas si c'est une. Mais... Qu'est-ce qu'elle dit quoi? Il a dit s'ils reviennent vers nous, on tape. À qui? À nous? Non, il est. Attends, parce que là, mon gars. Bah oui, mais. C'est la brave là qui a fendu la foule et qui est intervenu là-bas. C'est là, Antoine. Là, ça charge. Alors là, je ne sais pas, ils ont voulu choper un type qui avait balancé une canette ou un machin. Voilà, ils rechargent dans le tas. Donc c'est vraiment le contact, et donc vous avez les CRS derrière qui leur viennent en renfort parce qu'eux s'exposent et vont au contact quoi. Hop là. Et ça s'est passé et il y en a un qui est parti là-bas. Ouais. On va sortir de l'autre côté. Assassin. Assassin. On va aller voir tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est pour évacuer la brave qui a chopé quelqu'un. Thomas, il est avec eux ou pas? Thomas, il est où? Je vais rejoindre Thomas. Mais ce mouvement, il servait à rien. Ils ont chopé un type. Regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? On tire l'écharpe.
Eh, calme, baissez les pieds. Hein ? Il faut aller voir la brave, ils sont là-bas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ils vont les choper derrière quand ils vont sortir. Nous on peut passer derrière. Et... Oui, je sais. Mais alors là, du coup, toi, t'étais plus près que moi. Ils ont foncé parce qu'il y a un type qui a lancé une canette, un caillou, c'est ça Non, j'ai pas vraiment. Ils ont tacté une meuf après. Mais en fait, à un moment donné, il se passait rien, ils bougeaient pas, tout était calme. Ils ont décidé de se déplacer pour revenir en arrière. À ce moment-là, ils sont revenus en avant. Souris. Pour revenir en avant. Pour choper des types, ils se sont repris des trucs. Ouais. Et ils ont chopé des types. On n'a pas vraiment vu ce qui Il y a des passé, coups de pression, ça fait comme ça. Et toi, après, ils sont revenus en arrière avec toi. Ils ont récupéré quelqu'un, je pense qu'il est derrière. On va derrière. Allez, on passe. Allez hop. Hop, pardon monsieur. Parce que Thomas, ils ont quasiment tous des cagoules là. Tout le monde a des cagoules quoi. Tiens les gars, doucement. Monsieur, vous allez avec nous, il y en a un autre à côté là. Comme ça, ils sont tous sortis. Et on se lève, allez. Le pauvre. C'est le bon au moins. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul comme ça. D'accord. C'est vrai que c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. On va toute l'équipe. Mais alors du coup, il y en a qui ont pas de... Ah, il y a un 9 mm à la ceinture là. 9 mm. Et normalement, il n'y a pas d'arme de dotation 9 mm pour faire du maintien de l'ordre. Hein. Faut leur dire ça en face. Bah normalement, il n'y a pas de 9 mm pour faire du MMO. CL332, C22, 221, Charlie. Bonjour. Ah, c'est les gendarmes. Il est où le gradé? Quoi de gradé? Là, c'est un brigadier. 223. UL2R. Il y a quand même les pompiers qui sont là. Tout est arrangé. Ah, c'est les motards là-bas? Ça, c'est les motards. On peut même pas les voir sourire. Ah. Pauvre monsieur. Mais je comprends pas pourquoi il y a des 9 mm en fait dans l'histoire. Oui non mais la plupart n'ont pas de RIO, mais ça c'est comme d'habitude hein, de toute façon. Bon en fait c'est pas ça, c'est que souvent il est. Mais il y a la GoPro qui est devant, ou un machin qui est devant. Oui, mais c'est parce que souvent on le voit pas. Enfin, une fois sur deux, on le voit pas parce que vous avez un truc devant. Vous voulez le prendre en photo ? Non, c'est bon, j'ai gardé sa file, donc j'ai pas besoin. Oui, mais il y en a qui sont plus malins pour mettre devant. Là, je suis là. Vous avez une invitation pour venir en immersion. Ben, regardez, pour voir ce que ça fait. J'ai pas besoin d'invitation pour venir. C'est pas pareil quand même. Ah, bah c'est sûr que c'est. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Quand c'est bien organisé, ça n'a rien à voir. Ça, j'ai l'habitude, hein, j'en ai fait des visites officielles. Hein. Vous les connaissez comme moi, les VO. Hein. Je crois qu'il y a une des équipes qui a été suivie par BFM TV toute une semaine. On a regardé le reportage, on est des gens de bonne composition, on se renseigne. On n'est pas là non plus, on se renseigne vraiment sur le sujet, je veux dire, voilà, c'est pas... Et qui est le gradé là dans l'équipe ? Je vois pas les. Pas lui, je sais pas où sont les gradés. Ah bah, je vois pas, parce que votre chef tout à l'heure je l'ai vu avec les équipes, enfin, un des commissaires qui est là-bas. Monsieur, en colonne par deux s'il vous plaît. Mais pourquoi il est avec nous ? Allez, on est.
Mais qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tôt dans la vacation, monsieur, cet individu nous a balancé des projectiles. Là, il est là. C'est un syndicat. Plus tôt dans la vacation. C'est un syndicaliste cheminot, putain, vous avez. Vous avez. On l'a très bien vu, là, non, 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 il a rien fait. Moi, je vous ai rien fait. Il est avec nous. Il est avec nous. Il n'y a rien du tout. Il est avec nous. On rentre. Messieurs, on part. S'il est là, regarde, il est sous le scratch, c'est pour ça. Il est là. En fait, c'est ça le truc. C'est que, tu vois ce que je veux dire? Proche, monsieur. Oui, mais je sais. Non, mais je sais bien. Et c'est pour ça qu'on réclame qu'il soit bien gros derrière, qu'il n'y ait pas d'embrouille, en fait. C'est juste ça le truc, mais bon. Quand même extraordinaire. C'est, à chaque fois, c'est comme ça, tu sais. Ils n'ont rien vu de plus tôt. Il a quoi? Il a rien fait. Non, mais il dit plus tôt dans la vacation. En gros, il dit plus tôt dans la journée, ils ont lancé un truc. Mais non, c'est pas possible, il était au camion. Non, mais je le sais. Non, mais non, on vous croit, il n'y a pas de problème. Non, mais pour de vrai, c'est faux, il fait rien. Il a rien fait depuis tout à l'heure. Ah, bah, ça va être un classement sans suite 20 heures plus tard. Voilà. Bon, faire un petit live Twitter, un petit point. Ouais. Comment il s'appelle votre ami? Eric. Re tout le monde. Alors du coup, bon, c'était un peu la pagaille Place d'Italie. Moi, je vous avoue, je comprends rien à ce qui se passe pour des raisons de pourquoi. Il n'y a pas de sommation. Alors David Dufresne nous a dit, quand les policiers sont attaqués, il n'y a pas besoin de sommation. Bah franchement, il y a débat. Mais bon, c'est pas grave. Les ordres de dispersion, il n'y en a pas. On ne sait pas par où on doit sortir. Alors nous, on peut sortir avec nos écharpes et tout assez facilement. Et donc en fait, là, on est avec la Brave. Ils sont là. Alors vous pourrez pas les reconnaître, bah ça fait coucou. Vous pourrez pas les reconnaître parce que bah ils ont tous des cagoules. Même si en maintien de l'ordre, normalement c'est pas autorisé. Mais sauf pour des raisons, je sais pas, des raisons. Quand il fait froid. Ah, inifugé. D'accord. Faut se renseigner à votre parole. Regardez, je suis là, vous me donnez la réponse. C'est des cagoules inifugées. Très bien. Et donc du coup vous les mettez tout le temps. Vous le mettez tout le temps. Ouais, donc, des cocktails Molotov. Oui, je sais que ça arrive, je vous dis pas le contraire. J'en ai jamais lancé de ma vie, donc je suis bien mal indiqué pour en parler. Mais ce que je sais, c'est que dans la loi et dans le règlement, on interdit en théorie la port de la cagoule pour des raisons réglementaires. Et que, oui, mais qu'à la fin, pour d'autres raisons, parce qu'il y a des sauf ci, sauf ça, sauf bidule, ben voilà, finalement, on se retrouve avec des gens qui ont tout le temps une cagoule, ce qui contrevient à la règle initiale. C'est-à-dire que l'exception devient la règle. Il y a un petit problème. Donc, comme je vous disais, on est en direct de la Brave. Alors, certains m'ont demandé pourquoi j'étais pas venu en immersion, pourquoi j'étais pas là, alors que bah, je suis là. Et que les visites organisées, c'est quand même moins fun que les visites pas organisées. Et donc, d'où notre présence ici. Alors, on a regardé, parce qu'il y a les questions de l'histoire, vous savez, de Harry Hall, le Conseil d'État s'est prononcé. Alors, la plupart l'ont, hein, c'est la réalité, sauf qu'il est tout petit, donc derrière le bouclier, machin, vous y voyez que du feu, c'est impossible à voir. Certains l'ont sur le bord du scratch, en fait, c'est replié dessus. Ok, c'est reparti. Non, vous mettez pas devant la caméra, en fait. Appuyez la caméra. En fait. Ouais, ah, appuyez, c'est mieux. Eh, il y a eu zéro insulte là, messieurs. Il y a eu zéro insulte, on est là à côté de depuis tout à l'heure. Député, vous devriez savoir qu'un doigt d'honneur est une insulte, monsieur. Ah bah j'ai pas vu la dame faire un doigt d'honneur, mais... Il n'y a pas d'indignation à deux vitesses. Soit ça dit tout le monde, soit deux personnes. Vous comprenez. En fait, si on... écoutez-moi, si on arrête 100% des gens qui commettent des infractions matin, midi et soir, problème, on va avoir un problème dans le pays. Tout est banalisé. Vous savez que... Devant nous... Attendez, je vais finir que je vais parler. On est à 20 mètres. Nous je sais, je suis là. Voilà, exactement. Bah, j'ai pas vu la dame, mais moi je vous avoue, parce que j'étais assis dans ce faire un double doigt d'honneur, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas, c'est, ouais. Si elle l'a fait, ça ne se fait pas. Voilà. Si elle l'a fait, ça ne se fait pas. Bah, c'est si elle l'a fait, elle l'a fait. On le fait pas. Je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, on est là, on est en train de discuter tranquillement. C'est juste ça. On n'est pas là pour vous qui a cherché quoi que ce soit. Maintenant, il faudra assumer. Nous, on ne peut pas accepter qu'on nous fasse des doigts d'honneur comme ça gratuitement. Non, mais il y a différents. D'accord. C'est tout. Vous savez que. Ok. Imaginons, elle assume. Imaginons, les faits sont. Mais qu'elle assume pas, c'est pas grave. D'accord. On peut pas laisser tomber ça. Vous savez que vous avez. Ok, très bien, vous avez plusieurs voies pour le faire.
C'est-à-dire bah, dans le code de procédure pénale, oui. Il y a plusieurs manières de faire pour la suite des événements. Oui. Vous pouvez l'emmener en garde à vue, parce que outrage, c'est un délit. C'est pas moi qui vais la placer, tout à fait. Non, mais vous pouvez l'emmener en garde à vue, ou vous pouvez prendre son identité, cette dame, elle va pas s'enfuir, et la revoquer plus tard tranquillement, sans créer le tumulte et machin. Le tumulte, c'est eux qui le créent, c'est pas nous. Nous, on l'a écarté immédiatement. Voilà. Non, il n'y aura pas de truc. On va la présenter à un officier de police judiciaire. Il la placera ou il la placera pas. Ça s'arrête. Ouais, bah, de vous à moi, il va la placer. Et on va partir pour 20h pour rien. Alors que vous pourriez lui mettre une contravention. Un sac noir. On a dit un sac noir. Si vous poursuivez 100% des gens, des choses sur le code pénal, ça crée un problème dans le pays. Je vous dis juste, et que du coup, à un moment donné, ce qu'on va demander aux policiers, c'est le discernement. Tout à fait. Et bien là, le discernement devant tout le monde, devant une personne attablée, volontairement outrager les policiers, c'est inacceptable. C'est bon. D'accord. Sauf que les suites à donner, après, si c'est inacceptable, est-ce que c'est légitime ensuite de faire... C'est légal, hein, juste légal. Est-ce que vous croyez que ça va être utile d'avoir fait 24 heures de garde à vue pour un doigt d'honneur, de faire le machin, d'aller emmerder... À la fin, ça va être une comparution immédiate, du temps d'audience des magistrats. C'est juste une question de proportionnalité. Mettez-vous à notre place 2 minutes. Je peux me mettre à votre place 2 minutes, j'ai pas de problème avec ça. Se faire insulter comme ça, regardez. On est en train de discuter entre collègues, vous savez qu'ils sont pas véhéments, ok? Si, non. Avinés, sans doute. Véhéments aussi, non mais véhéments au sens, ils sont pas violents, ils ont pas à vous attaquer, etc. Si c'est un doigt d'honneur, c'est quand même pas terrible, c'est nul, c'est répréhensible, c'est un outrage. Vous venez à deux collègues dire madame, pourquoi vous faites ça? Je me suis senti offensé. D'accord, mais vous venez à deux. L'un s'explique ou l'un extra. Non, vous êtes venus tous ensemble. Ah, bah, évidemment, mais là on est écarté à deux. Tout est fini, vous le verrez, on est arrivé à 4-5. Je sais, j'ai vu. Voilà. On pas vu. Alors pour le coup, vous étiez face à moi. Je n'ai pas vu la dame, mais vous étiez face à moi. Bon, voilà. On a décidé d'aller la chercher. C'est comme ça, elle va devoir assumer. Si on commence à poursuivre tout le temps, tout le monde, on s'en sort pas. C'est pour ça qu'il y a des rails, il faut les suivre, malheureusement. C'est pas notre problème. Autre chose, c'est un problème. Si on ne peut pas interpeller tout le monde. Mais en vrai, il n'y a aucune société où on interpelle tout le monde. Ça n'existe pas. Personne n'est interpellé. Et quand ces sociétés tendent vers cette direction, on a un autre problème. C'est que c'est plus complètement un pays démocratique et libre. Mais la question est, ne faites pas ça. Quoi? Non mais sérieux, très sérieux. Oui, mais moi aussi. Vous êtes très sérieux, je vais l'être aussi. D'accord. On n'est pas ici, nous, pour être le réceptacle. De la frustration, de l'énervement. Il y en a combien qui vous ont dit il y en a plein. Ah mais ce qu'ont fait les policiers est tout à fait légal. Ils peuvent venir à 15, oui, ils peuvent l'interpeller. Et c'est toujours la manière de le faire. Et tu vois, ils sont excédés parce qu'ils se prennent des doigts d'honneur, ils sont insultés tout le temps, machin, mais bah, voilà. Et le major dit, on n'est pas là pour être le réceptacle de vos colères. Mais si, quand tu portes l'uniforme, en fait, il faut que tu te dises que c'est pas toi, en fait. C'est ce que tu représentes. Ouais, mais... T'arrives à... Voilà, je vois Pépé. Mais non, mais c'est... T'es malade ! Antoine, viens là ! Antoine, viens là ! Avance. Je me la suis pris sur le bras, un point. Je filme. Ça filme. Ça filme, mon gars. Elle a lancé... Elle a pas réussi à lancer, elle a lancé de travers. J'ai là. Oh là. Et ils savent même pas tirer quoi. Pardon, elle est stagiaire avec moi dans le cabinet. C'est un contrôle de police sur la... Un contrôle de police à quel titre en fait? Je vous l'expliquerai plus tard. Bah non, maintenant en fait. Pour l'instant, c'est pas vous qui êtes contrôlé, monsieur. Bah très bien, mais en voilà, fait. C'est tout, ça s'arrête là. Oui, mais moi je vous contrôle, monsieur. Là. Ah, vous me contrôlez? Oui, je vous contrôle. De quel droit? De droit de parlementaire de contrôler l'action de l'exécutif. C'est bien, c'est cool, c'est très bien, c'est cool. Oui, c'est plus que cool, ça s'appelle la Constitution. Mais moi, vous ne me contrôlez pas, monsieur, pour l'instant. Ah bon? Ah ouais, je vous le dis. Ah si, je contrôle l'action des forces de police et de gendarmerie, parce que c'est prévu en vertu de la Constitution. Oui, bien sûr, ok. Mais moi, je vous le dis, vous ne me contrôlez pas. Fin d'histoire. Ça marche? Non, ça ne marche pas. En fait, on est dans un état de droit. Quand vous contrôlez quelqu'un, vous dites à quel titre?
C'est un contrôle d'identité 78-2. Si c'est 78-2, vous devez dire quelle infraction vous reprochez à la personne. Parce qu'il faut qu'il y ait des éléments plausibles. Ça lui sera dit. Ça lui sera expliqué à la personne, pas à vous. D'accord. Voilà. Vous aviez failli embarquer madame aussi pour un contrôle, mais visiblement sans motif. Donc soit vous avez une réquisition du procureur de la République, et vous nous le dites, vous nous la montrez, vous nous la sortez, il n'y a pas de problème, hein, si le procureur le dit, c'est judiciaire, j'ai rien à dire, c'est comme ça. Mais si vous faites des contrôles arbitraires comme ça, bah, ça me pose des questions. Rien à vous dire, monsieur. Là, mon rock, vous ne poussez pas, monsieur. Vous ne poussez pas. Vous ne poussez pas. C'est dingue, ça. Vous ne poussez pas. Donc, ces messieurs procèdent, messieurs, dames, procèdent à des contrôles sans fondement. Vous allez avec des députés. Alors, pourquoi vous m'avez poussé? Vous m'avez donné le cordon, monsieur. Vous m'avez poussé, j'étais avec eux. Je vous demande d'aller de l'autre côté du cordon. Vous allez rester au milieu de nous comme ça. Arrêtez, c'est votre collègue qui va vous donner une derrière. Respectez un peu notre boulot. Il y a des images, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas mon problème. Aucun problème, monsieur. C'est pas votre Rio. Allez, hop, hop, hop. C'est pas votre Rio. Ça suffit là. Ça suffit là. C'est pas votre Rio, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Attendez, c'est le bouclier de votre collègue. Non. Rio de monsieur, s'il vous plaît. Rio de monsieur. C'est vous, monsieur. Comment ça, serré? La barrage ferme. Comment ça, la barrage ferme? Je veux. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Léo! Est-ce que vous êtes fatigué ou quoi? Les députés là! C'est quoi? Non, il est à moitié comme il faut. Sur le mec, le gênant. Non, attends, je vais prendre le mot, À moi quand même! Ah, c'est Hugo? Ah, c'est Hugo. Allez, passe, allez. Imitation de Sarkozy. Il est là-bas, le commissaire. Bouge l'épaule, les petits. Un chat. Nous, on est là. Vous avez indiqué qu'on attendait un taxi qui est arrivé au fond. Vous avez pas mal d'avant. Vous avez pris à partie un journaliste. Pour l'écarter. Parce qu'il était visiblement pas dans le cadre de votre dispositif. Or, dans les SNMO, il est d'ailleurs prévu d'être chamadé. Non, mais écoutez, là, c'est vous qui créez un événement. Moi, je veux pas participer à cet événement. Moi, je veux pas participer à cet événement. Donc, je vous laisse aller voir vos journalistes. Vous avez créé moi, je reviens avec mes effectifs. Merci. Vous pouvez discuter, non tout. On attend le taxi. Le journaliste, il se fait esquiver. Eh bien, écoutez, on a observé. Le maintien de l'ordre, comme il est indiqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il nous y avait invité en immersion au sein de la BRAVEM. On l'a fait par nos propres moyens, pas juste de la BRAVEM, mais de l'ensemble du dispositif. C'est vrai qu'on s'est focalisé particulièrement sur l'action de la BRAVEM. Et on doit dire qu'à tout le moins, on est circonspect par ce qu'on a vu aujourd'hui, si ce n'est choqué, parfois heurté, par des techniques qui en réalité n'ont pas permis de maintenir l'ordre, en tout cas de faire en sorte que ce soit la paix publique, mais qui ont souvent provoqué d'autres désordres qui ont envenimé la situation. On espère qu'on pourra débriefer avec le ministre de l'Intérieur et les collègues à l'Assemblée nationale. Ça aurait été bien s'il y avait eu d'ailleurs une pétition sur le sujet. Ouais, voilà, globalement on a fait un peu le tour de l'ensemble du dispositif. On a été dans la manifestation au tout début, puis à partir de 16h30. Et on a observé des choses absurdes, honnêtement. Il y avait un certain nombre de fois où on a vu des charges qui étaient inexpliquées, des déplacements de troupes qui provoquaient du désordre, alors que parfois elles avaient du sens. Il s'agissait d'aller, par exemple, protéger une poubelle qui brûlait pour pouvoir permettre de faire passer les pompiers, mais rien n'est dit, donc ça provoque un désordre, du chaos, de la peur chez les manifestants, ce qui n'est pas normal non plus. Et alors, pour le coup, la fin a été... moi, je me prends une grenade lacrymogène sur le bras alors que je suis à distance pour observer ce qui se passe. Je ne trouve pas ça tout à fait normal en termes de gestion de ce qui se passe dans une manifestation. Moi, je n'ai pas beaucoup vu de maintien de l'ordre aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de désordre et des consignes incohérentes.
je me suis beaucoup focalisé sur la brave parce que Gérald Darmanin nous avait traité de tous les mots en commission des lois. Il nous avait dit que vous êtes derrière votre bureau, vous n'êtes jamais sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. On est tout le temps sur le terrain, mais on était au cœur du dispositif. Moi, j'ai vu un certain nombre de choses qui ne sont pas réglementaires, notamment le fait que le RIO, c'est-à-dire l'immatriculation du policier, n'était jamais visible, le fait qu'ils aient tous des cagoules alors qu'ils doivent avoir le visage découvert. Ben, après, on a vu des charges au milieu de la manif, ça revenait en arrière, c'était totalement incohérent. On a beaucoup observé quelque chose qui ressemble à tout sauf à du maintien de l'ordre. Et là, on part au commissariat du 5e arrondissement rendre visite à un syndicaliste de Sudrail qui a été interpellé devant nous par les forces de l'ordre qui n'avaient rien fait. Donc, on va aller le voir dans son commissariat pour lui apporter notre soutien et dénoncer une fois de plus ces gardes à vue arbitraires.